Console Mania, c'est plus fort que toi. Bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue dans Console Mania, bienvenue dans peut-être la fin de Dragon's Fury. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Nous sommes le 18 novembre 2018, hein, comme prévu. Eh bien, je ne vous ai pas menti. On a fait d'énormes parties, enfin de très longues parties de Dragon's Fury et on est arrivé à ce fameux 18 novembre où, eh bien, il est temps de terminer Dragon's Fury. Enfin, il est temps. Normalement. Bon. Bon, bon, bon. Je prends mon calepin, le calepin de la mort. Hein. Et on va prendre les mots de passe. Ouais, on va prendre les mots de passe. Je sais plus on est à combien. Je crois qu'on est à 86%, 87, 85%, je crois. Donc il nous reste 15% quand même. Donc c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. On en a pour une heure et demie facilement là. Voire plus. Je connais pas la difficulté du boss de fin. Donc si ça se trouve, le boss de fin sera ultra relou. Mais comme je suis le seul au monde à bien sûr arriver au boss de fin, bah ça sera sûrement, sûrement buggé. Ça marchera pas. Voilà. Personne n'a vu le boss de fin. C'est-à-dire que vous serez aujourd'hui les premiers humains sur Terre à voir, bien sûr, la fin. Enfin, à la fin, le boss de fin. Voilà. Ouais, ça serait rare, ça serait vraiment bizarre d'avoir un truc relou. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Il ne fait pas trop chaud chez vous, car chez moi, fait chaud. Fait chaud, hein? Fait chaud. Fait chaud, fait chaud. Je sais pas, Bakayep, toi, est-ce qu'il fait chaud de par chez toi? Mais voilà, ouais, il fait bon. Mais bon, la Croix-Rousse, c'est normal, vous avez un microcosme. Le microcosme. Moi, j'ai pas de microcosme. Mais non, d'accord, c'est Daft. Je crois que c'était Bakayep. Ah là là, mais vous êtes chez les riches. Juste 32. Techniquement 32 ça va hein. Mais bah j'étais peut-être pas habitué à cueillir au face chaud. Bref. Hop. Bon là sachez que Celia est en train de faire un test pour Nintendo Online là, parce que même si merci Bakayep hein, d'avoir fait quelques tests sur ta console vis-à-vis du online, ça m'a permis de répondre à pas mal de questions. Merci. Attends. Un truc. Bonsoir Coco. Bonsoir. Dommage. Ouais, ok. Si vous n'avez pas d'acheter celui-ci, vous pouvez le faire. Mais est-ce que tu peux jouer sur ma console? Enfin, sur mon compte. Ah, ça vérifie quand même. Ouais, en fait, il doit vérifier. Tiens, alors, essaye de jouer. Mais non, mais ça, c'est on a vérifié. De quoi? On a vérifié que tu peux... Par contre, tu vas avoir ma sauvegarde. Enfin, là, j'ai ouais, tout... Ouais. J'ai supprimé. Bah si, parce qu'elle est le cloud. Le cloud. T'es obligé de bouger comme ça? Putain, c'est dommage, ça a failli être parfait. Non, en fait, je me dis, il y avait une baisse, de toute façon. C'est obligatoire qu'il y ait une baisse. Tu pouvais pas avoir les jeux de tout le monde. Enfin, c'est pas Steam, quoi. Bon, bah c'est bon, vas-y. Allez, zou. Il y avait une baise. Bien sûr qu'il y avait une baise.
Five in Bed, ouais. De quoi? Non, je sais, c'est la tienne. Bah, reviens d'air. Ouais, vas-y. Non, mais je crois que j'ai tout redémarré, donc c'est pas grave. Mais je crois que c'est même pas copié. Donc en fait, c'est là, t'as rien. Bah, techniquement, en fait, tu peux avoir tes propres sauvegardes. Mais c'est chiant. Mais tu peux les avoir, techniquement. Si tu es sur le net, t'as commencé à vérifier toutes les quelques minutes. Ok. On peut applaudir. Oui, c'est vrai qu'on peut applaudir 35 euros par an pour applaudir dans les jeux sur NES. C'est bien. Ça fait un peu cher quand même. Ça fait un peu cher le clap clap quoi. Non mais c'est le truc familial. Oui bon 20 euros c'est vrai. C'est 20. C'est 20. Bref. Allez. Hop. Donc en fait la boule bleue on s'en fout. Hein. N'oubliez pas que la boule bleue n'a aucune... apparemment n'a aucune... Enfin c'est les multiplicateurs qu'ils ont pas d'incidence. Je crois que la boule bleue elle a une incidence. Je crois que la boule bleue a une incidence. C'est quoi comme montre Moa que tu as? Ouais on a essayé avec Miku. On a joué en ligne à des jeux NES. Et c'était vraiment stylé. En fait, ça fonctionne comme le netplay des émulateurs, en fait. Voilà. C'est-à-dire, tu te connectes, les deux personnes se connectent à, je sais pas exactement, enfin, une connexion peer-to-peer. Et après, bah, tu lances le jeu, en fait. Donc chacun voit ce... Chacun voit ce que l'autre fait, en fait. Alors, il y avait un lag quand on a joué. Bonsoir, Thanatos. J'avoue, il y avait un lag. Je sais pas si c'est... Alors moi, j'ai mis ça, le lag, sur la connexion de Miku. Mais c'est vrai que s'il y a un lag pour jouer à des jeux NES... Mais bon, là, pour l'instant, ce qu'ils offrent comme jeu, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Allez. Oui, mais une montre qui donne l'heure avec des aiguilles, c'est ouf. Mais c'est une marque spéciale. Elle est à quelqu'un. Tout ça. Elle était à quelqu'un. Parce qu'elle a pas l'air d'être... ça a pas l'air d'être une... une flic-flac, quoi. Attends, c'est haut, du coup. 4V. Confiant pour voir les crédits? Non, j'ai dit qu'on entrevoit. J'ai jamais dit qu'on le finissait ce soir. C'est entrevoir. Merci, Cédric, pour le follow. Je suis en train de tester un chez moi, en général ma connexion est free, pour jouer le soir c'est l'enfer. Ah ok. On m'a promis la fin. Oui bah si on n'a pas la fin, t'as qu'à te plaindre à... Plains-toi à... Plains-toi. Tu prépares ton raffle. Y a pas de raffle bien sûr, hein. N'oubliez pas. Si on finit le jeu, pas de raffle. Mais ne vous plaignez pas déjà, de toute façon je vous avais prévenu. Attends, j'ai pas sauvegardé, je crois. Oh non, je crois que j'ai... Attends. Je crois que j'ai pas sauvegardé. Dans le doute, je vais faire une save au pif, tu vois. Je crois pas que j'avais sauvegardé. Si. Si, c'est bon, j'ai sauvegardé. Ah. Oui, voilà, Anaris. Plains-toi, Yara. Ouais. Plains-toi, Yara. Qui te dira sûrement que on lui a pourri la vie. Hmm. Bon, par contre, faut faire ce que je veux, là. Hein. Au bout d'un moment, ça commence à se voir. Hmm. Allez. Parfait. Hop.
Je lui enverrai un tweet. Je pense que si je finis le jeu, je lui envoie un tweet. Et je lui dis voilà, tu peux venir faire le raffle. Non, je lui envoie un tweet et je lui dis tu peux venir faire le raffle si t'es encore sub. Voilà. Bonne blague. Il sera, je pense, vraiment content. Legit, hein. Enfin, logique, ouais. Normal. Hop. Allez. Non, ça c'est pas drôle, Sanaris. Je pense que ça c'est pas drôle. Ça c'est de la provocation. Et sachant que. On fait pas de provocation ici. Des petits baits, tu vois, des petits trucs, mais on rigole, tu vois. Il n'y a jamais rien d'une portée méchanceté gratuite. Oui, tu savais pas. Ouais, bon. On la fera à quelqu'un d'autre, quoi. Pour voir les jeux, c'est Gedoc. Coco. C'est. Ouais. Merci à une autre. Ouais, 86%. 14% de la fin. 14 petits pourcents. Voilà. Hmm. 14 exactement, Pika. Exactement. Exactement, exactement. On est bien. C'est Plaza. Tu seras fiché. C'est vrai, en plus, tu peux dire que tu sais pas, Naris. Pourtant, il ira vérifier. Hein. Tu seras dans la merde. Ah, ça sera assez loin, mais c'est beau. Bien sûr, on mettra une note verte. Hein. Une note verte. La note verte. Il y aura à vérifier. Ah, j'ai eu un special pun pour cette blague. Écoute, GG. Tu passes à quel jeu, du coup? Je passerai à Earthworm Jim. Flink, je le recommencerai de toute façon. Hop. Allez. Une note arc-en-ciel. Exactement. Bien sûr. Poète. Petit poète. Allez. On sera bien. Je suis chaud là. Tiens, d'ailleurs, encore. Cool. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que 87%, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup joué à Power Stone, s'il vous plaît? Question sérieuse vis-à-vis de Power Stone. Hop. Alors, J-E-N-C-A-R-D-M-L. T'as joué surtout aux deux. Ok. Bonsoir à toi, Yusuke. Est-ce que quand il a joué, surtout aux deux, du coup, ça tombe parfaitement bien parce que ma question allait aller sur le fait du deux. Est-ce que la caméra, il y avait quelque chose pour recentrer, enfin pas recentrer, rapprocher la caméra quand il y a le changement des, quand les stages se cassent ou alors évoluent, parce que c'est vraiment le bordel et je vois rien et je sais pas s'il y a quelque chose à changer ou en fait c'est normal. Je pense que c'est normal, mais je demande au cas où. Même sur le 1, c'est un peu le bordel, on voit pas grand chose en fait.
Enfin, l'action est très peu lisible. Mais le jeu, il répond bien et tout. Bon, t'as pas trop de... t'as pas moyen de repêcher l'ennemi en l'air. Pas trop, en tout cas. T'as pas trop de juggle. C'est assez... Je trouve assez simple comme manière de... Comme brawler. Ouais. Ouais. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Allez. On va s'emmerder, hein, par contre. Hein. Du coup, on va vraiment s'emmerder parce que là, j'aimerais aller vite. Parce que j'ai vraiment peur de ce boss de fin. Franchement, je vous le dis. Je suis pas du tout... J'attends la baise, mais tellement... Je sais pas comment ça va être, mais je l'attends. Je suis sûr et certain qu'on va arriver au boss de fin et il va être imbattable. Et là, tu vois, il y aura bien un relou man qui va me dire « Bah, ta cestette était pas lucide. » Et on banne. Ah bah non, dans ce cas-là, Coco, je t'empêcherai de me donner ce jeu. BaiseX. C'est vrai que vous allez assister à un double VR. Hein. T'avais casse-kip MDR, ouais. Attention. Ou alors t'avais qu'à mieux jouer MDR. Ça aussi pas mal. Hop. Allez. Ah ! Dommage. Je me suis dit ça allait beaucoup trop bien. Ah, peut-être que... Non. Non, s'il te plaît, faut remonter. Il me l'a renvoyé. Elle allait dans le trou. Il a fait non. Enfin, il a fait nope. Et puis il me l'a renvoyé en pleine face. Ah merde. Instant d'essai. Ah merde. Allez. Ah, n'oubliez pas, nous sommes là hein, pour tricher. Bien sûr. Enfin, pour utiliser... Ce que le jeu me laisse hein, comme possibilité hein, de triche. Voilà. Parce que je suis un petit filou. Ah voilà. Et paf. Un petit Gervais Grand Max, non, un petit Gervais c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. Hop là. Bon, en tout cas, je voulais remercier bon, pour les personnes qui sont là, salut Lark, et même pour les personnes, bien entendu, qui regardent cette VOD, on sait jamais. Je voulais remercier les gens hein, qui ont plutôt commandé un t-shirt, la personne qui édite les t-shirts, enfin qui les imprime, était très satisfaite, car mine de rien, il y a eu quand même pas mal d'achats, plus que je ne le pensais. Donc, bah merci beaucoup. Ah, tu dis qu'il a été livré. Ah. J'ai l'impression... Je pense que c'est tes voisins ils t'ont volé le colis et ils sont allés le foutre à la poubelle. Fais gaffe, hein.
Ça a l'air d'être la guerre civile envers chez toi. Donc voilà. Je voulais vous remercier. Oui, j'aurais pu le remettre dans la boîte aux lettres, ça c'est sûr. Bien entendu. C'est l'effet collector, ouais. C'est quelqu'un qui l'a volé. Mais voilà, en plus, la qualité avait l'air d'être au top du top. Et mine de rien, ça c'est stylé. Non, le t-shirt spécial n'est plus... il est toujours sur, toujours sur la page, mais tu peux pas aller jusqu'à la fin de ta commande. Car il était limité jusqu'à dimanche dernier. Par contre, si t'envoies une photo du t-shirt, Konshiba, je veux que tu la portes. Hein. Enfin, je veux que tu le portes. Hein. C'est important. Parfait. Bah, c'est un peu un sport, Jidan, tu sais. Ah, ça reviendra peut-être une loutre, qui sait. Tu sais, on ne dit jamais jamais. Il y en aura sûrement d'autres. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. 88, hein, 88. T'inquiète pas, je comprends bien. Mais bon. Après, Konshiba, ça va. Avant, t'étais pas streamer. Maintenant, on sait... on sait. Par contre, ce qui est ultra stylé, c'est que on peut m'envoyer le t-shirt pour que je l'envoie. Enfin, je peux décider de recevoir les t-shirts pour les envoyer moi-même. Donc je ferais peut-être ça en fait, parce que ça me coûterait moins cher de faire ça. Si je prends avec un volume, un petit volume, du coup, je peux mettre des petits messages personnalisés. Donc, en vrai... Et puis, je peux en faire gagner, du coup. Enfin, je pourrais en faire gagner, ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, on verra, hein. On verra dans 6 mois, 1 an. Hein. Pour Noël. Voilà, pour Noël. On a le temps. Tu es mon préféré dans tous les messages. C'est ça. Ah là là. Ou viens prendre un jus d'orange à la maison quand tu veux. Évidemment. Salut Tito. D'ailleurs, si vous voulez, hein, j'offre une place dans la... Oh, ça va tomber. Dans ma famille Nintendo, 50 euros la place et je vous rajoute à ma famille. pas cher. Et en plus, je vous offre le Nintendo Online. Donc voilà. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est Arcturus. Ah bah écoute Konshiba, t'as choisi hein, mais je sais que tu fais tout pour que tu sois plus mon préféré. Ne t'inquiète pas. Je le sais, j'ai bien compris le message. Non, mais t'as bien fait comme ça au moins. Bah c'est normal qu'il t'a forcé, il veut payer moins cher quoi. Il est sûrement Oniseb. Oniseb, Ned, enfin toute la troupe des Vladistes. C'est néophyte. La troupe des pires. Ah, ça va. Écoute, je vais te dire un truc, Konshiba, répète-le pas aux autres. Ça va, vous êtes pas autant les pires que ça. Ça va. Vous êtes sortables. Bon, sauf Oniseb, hein, parce que là, Oniseb, je peux pas mentir, ça va trop loin. Mais
Ah ouais, trop loin. Merci. Merci Athènes, merci beaucoup pour ton sub, merci énormément pour ton prime. Plein de bisous à toi, plein de pompons bien entendu. Ça fait plaisir. J'hésite entre deux jeux à donner. Vas-y, balance Coco. Dis-nous. Profitons que tu sois là pour discuter avec toi. C'est toi, Tarigami. Parce que bon, la prochaine fois qu'on va te voir, ça sera sûrement en décembre. Donc voilà. En fait, je suis en Suisse. Du coup, il y a pourquoi, comment. Ah, bah oui, non, mais bon, il y a peut-être les pubs, ça fonctionne peut-être pas néophyte en Suisse, hein, c'est pas grave. Hein. Écoute, on va pas t'en vouloir parce que t'es Suisse. Hein. T'inquiète pas. Il risquerait de les supprimer. Non. Ah, Ten Park, c'est bien. Teen Edge, je connais pas. Ouais. Ouais, par contre, les Belges. La seule expérience que j'ai des Belges, là, elle est pas ouf. Donc, donc si vous êtes Belge, essayez de redorer un peu le blason, là, parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est toi le blason, salut pseudo. Eh ouais. Ah bah voilà Yusuke, tu es belge. Non, Konshiba, s'il te plaît. On essaie de se sortir de... Alors j'ai l'impression, quand on a les... Alors si je le tape, lui là... Non. Je crois que si... Quand tu as les sorciers verts, tu gagnes 2 millions de points. Alors, c'est pas 2 millions de points. Tu gagnes 200 000 points si tu les tues tous. Ah non, on l'a pas banni. Pourquoi on irait bannir Adop Lucky ? Il est pas méchant, Adop Lucky. Hein. C'est juste que. On se moque un peu. Mais je crois qu'il fait un peu exprès. Il aime bien faire exprès. Ça dépend si la couleur est paire ou impair. C'est vrai, cette fameuse couleur. On n'a rien contre Doplucky. Il est le bienvenu hors stream. De toute façon, il vient que hors stream. Donc, en vrai, voilà. Ouais, c'est pas moi, hein. Oh, bien sûr qu'il y a bien pire que lui, bien entendu. C'est pour ça que je dis qu'on n'a rien contre lui. J'ai une liste des pires. Non. La liste des pires, pas besoin de faire une liste des pires. La liste des pires, je les banne. Ouais, je crois... Quoique, hein, il y en a qui mériteraient, hein. Il y en a qui mériteraient des bannes, hein. Ah, surtout ces derniers temps, j'en ai identifié au moins un qui mérite. Hein. Bon, bien sûr, je balance pas de nom, hein, vous me connaissez. Nous sommes très très lisses ici. Mais ouais. Hein. Mais quand il y a des pires, vous savez, je les banne. T'as toujours ton shadow? Non. Je n'ai plus mon shadow. Parce que... Alors la solution était stylée. Elle était stylée, mais elle était plutôt gadget en fait vis-à-vis du fait que... Ça me permettait de jouer à tous les jeux qui allaient sortir sans... En fait, c'est comme si j'avais un PC de stream. Un autre PC, tu vois. Un PC de stream et un PC de jeu. Mais le problème de tout ça, c'est que... En termes de partenariat, on n'a pas pu trop se mettre d'accord.
Ils m'ont fait tester, par contre, ça va être très cool. Ils m'ont fait tester avant que là, tu puisses tester... comment dire ? Genre là, tu peux tester gratuitement pendant 7 jours, je crois, ou tu payes pas cher, bref. Tu peux jouer sans la fibre. Bon, il faut une connexion quand même, enfin, au moins 10 mégas sûr, une ADSL bien stable. Mais genre bien stable. Ils avaient été super cool et tout. C'est juste que bon, c'est cher. Je trouve ça cher en fait. Mais en fait c'est cher parce que j'ai pas les moyens. Enfin parce que j'ai pas envie de donner 30€ supplémentaires par mois pour un autre service. Mais pour quelqu'un qui a plus les moyens, ça doit être rentable. Si t'as pas de PC et que tu fais et que tu utilises ça comme PC principal, ça peut être bien. Et puis en vrai, non, il y avait un gros problème, c'est que tout ce qui est, c'est pas encore fait entre guillemets pour les streamers, dans le sens où tout ce qui est périphérique externe, à part la souris clavier. Par le souris et le clavier, bah, si tu branches un micro, une cam ou d'autres choses comme ça, bah, le Shadow, lui, il va pas recevoir, il va pas pouvoir communiquer avec eux. Du coup, voilà. Oui, je pense, Daft, ça va. Et Pseudo, en vrai, il faudrait... tu peux tester gratuitement en payant pas cher. Tu vois ? Eh, slogan, mon gars. Slogan, je devrais travailler dans le marketing. Voilà. Mais c'est une bonne solution. En tout cas, s'il y a une chose que je devrais dire sur Shadow, c'est que elle est là, c'est vraiment impressionnant. Le lag, il est presque inexistant. Mais quand je te dis presque inexistant, il faut vraiment chercher. Voilà, quant à la fibre. Voilà. Quant à la fibre. Attention, c'est important. Quant à la fibre. Commence à arriver avec double HDMI. Ouais, non, mais ils arrivent, ils font le truc. Hein. Le 5 mégabits, j'avais testé le 10, moi. Tu peux tester les modes. Avec le 10, ça allait. Il y avait quand même des artefacts un peu de compression. C'était pas très très joli. Mais bon. Oui, non, mais j'avais testé après sur l'application. Mais ouais, en plus, bah, Nymelia, elle avait joué avec moi, rappelez-vous, à Sea of Thieves. Et bah, on avait quand même bien rigolé, même si elle était sur le... elle était sur le Shadow. Et puis en plus, on avait passé un super live. Elle jouait de son MacBook. Non, en vrai, il y a des situations où le Shadow, c'est presque de la magie. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est 30 balles. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Daft ? C'était là, non, là, mais là. Attends, je sais plus ce que j'avais dit, mais oui, ouais. Bon, des conneries, finalement. Ouais, c'est 30€ si tu t'engages un an, ouais. Sinon, c'est 34 ou 35, je crois. Je crois que c'est 34 ou 35. Allez. Ah, c'est 45 un mois. Ok. 35, 3 mois, et ouais, ok. Ouais, bon, voilà, c'est... C'est pas donné. C'était le pire truc, et le créateur méritait la prison. Ah oui, d'accord. C'est bœuf. D'accord. D'accord. Bon. Écoutez. Voilà. Sujet suivant. Ah, il faut taper là, il faut taper, non, dommage. Ah, j'aurais eu des points là, j'aurais eu 200 000.
J'ai failli avoir 200 000. Bah peut-être il a demandé gratuit, ouais. Qui sait? De toute façon, de toute manière, entre nous, Merci Jamuret! Merci beaucoup pour ton Prime! Merci pour ton 6ème mois! Plein de bisous à toi! Plein de pompons, mon ami, attends! Hop! Plein de pompons, bien sûr! Mais de toute façon, je crois la seule personne aujourd'hui qui est vraiment partenaire avec eux, c'est... comment il s'appelle? Merde. Vous le connaissez, c'est... voilà, vous le connaissez. Vous allez le dire, je pense. Il y a au moins une personne qui va le dire. Et puis voilà. Putain, comment il s'appelle? Oh putain, mais un gros streamer de Fortnite. J'oublie son nom alors qu'il est super connu. Enfin, son pseudo alors qu'il est super connu. Ah, Gotaga, merci. Voilà, c'est Gotaga. Alors bon, s'il faut être Gotaga, bon, je pense qu'ils font pas, tu vois, ils font pas des partenariats easy, tu vois. Merci. Snaku. Ah, mais c'est Konshiba qui dit ça, en plus. Ah là là, Konshiba. C'est quand Snaku. Bref. Ouais, non, mais oui, non, mais Gotaga, ça vous dit quelque chose. Tout le monde connaît Gotaga. Bien sûr. Salut Skyward. Bonjour. C'est ici le 100%. Tu es à bon port. Hop. Allez. Hop. Hop là. Alors j'avais un autre truc à dire. Qui était assez cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc qui concernait Nvidia. Oui. Ah, ça y est. Ça y est. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Sachez, apparemment, d'après les premiers tests, du NVENC de la 2080 Ti, bien entendu, qu'apparemment, Nvidia aurait réussi à avoir une qualité d'encodage meilleure que si tu passes, que si tu encodes avec ton CPU. En X264, quoi. Et c'est assez stylé. Bon, par contre, ça coûte 1000 balles. Mais 1000 balles l'encodage. Mais dans l'idée, c'est assez cool. Comme ça, t'as plus besoin d'avoir un CPU de taré si tu veux avoir une bonne qualité de stream. Mais ça coûte 1000 balles. 1300. Ah, c'est 1300. Je crois que c'était 1000 balles. Ça, c'est pas 999 dollars? C'est vrai, je comprends plus rien. Moi, j'imagine que moi, s'y connaît plus. Ah, je croyais que la TI, c'était 900... D'accord, bon, bah, je pense... D'accord, bon, bah... Ah, oula. H3EN. Non, c'est HB. Je crois que c'est juste que je sais pas écrire B et 3. Ouais, c'est HB. C'est HB, je sais pas écrire. Quand t'as acheté une carte, t'es plus à 300 près. Si, quand même, hein. Ça dépend. Mais. Hmm.
D'accord. 300 euros, ça fait quand même pas mal de... Non, mais c'est cool dans l'idée que... qu'ils soient arrivés à... Ben... à une qualité dans... Enfin... le Nvenc soit de plus en plus performant. Parce qu'en vrai, bon, bah, tout le monde n'a pas... tout le monde n'a pas un i9. Et tout le monde ne peut pas... tout le monde n'a pas un PC de stream et un PC de jeu pour avoir... pour avoir une qualité de stream optimale, quoi. Mais voilà. Ah bon, parce que tu es né après le 18 novembre ? Car attention, nous sommes le 18 novembre, Skyward, aujourd'hui. Nous sommes le 18 novembre 2018, hein. Ouais, mais le problème du Ryzen, c'est que... c'est qu'il avait l'air d'être moins... Alors, attention, hein, je dis ça. Je dis ça parce que... parce que moi, je lis les benchmarks, hein. Je peux pas me permettre de tester. Mais ça avait l'air d'être moins bon en jeu. Donc si après en jeu, du coup... si c'est pour avoir une meilleure qualité d'encodage, mais une baisse de performance, bah, ça serait dommage quand même. En fait, j'ai pas envie de faire ce niveau. Voilà. J'ai pas envie. Casse les burnes, ce niveau, donc je le fais pas. Voilà, c'est tout. J'ai décidé, je me rebelle. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. Attends. Hop. Je me rebelle. Tu sais, 5 FPS, c'est quand même 5 FPS. Ah, si je peux pas jouer à mes Mega Drive en 60 images secondes. voilà, exactement, Whispel. Ah, n'hésitez pas, hein, si... petit Tipeee, hein. Bien sûr. Petit Tipeee. Quand vous voulez. Oui, bah ça dépend à quoi tu joues. Tout dépend à quoi tu joues, tout dépend... Allô ? D'accord. Je veux dire, si tu joues à Star Citizen, bon bah... avec un i7-2600K... bon... ça va peut-être être un peu juste. Si tu fais... si tu joues à CSGO... bah, je pense que ça ira. Voilà. Tout dépend. Trop bien, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors, est-ce qu'on pourrait avancer plus vite, s'il vous plaît? Merde. S'il vous plaît. On aimerait que ça aille plus vite. Le problème avec Star Citizen, c'est qu'on va être juste pour la 2080. Non, bientôt. Attends, mon Strife, il me disait là le gros gap de performance qu'il y aura dans pas longtemps là. Les haters de Star Citizen vont voir flou. Ouais. Ah, le 13 octobre, il y aura une surprise. Attends, est-ce que moi... Eh, le 13 octobre, c'est... Bah, le 13 octobre, oui, ça sera... pour moi, ça sera une surprise. C'est l'anniversaire de ma mamie. Voilà. Voilà, le 13 octobre... je crois que ma mamie fait 80 ans. C'est fou. C'est fou, quand même. Donc oui, il y aura une surprise. C'est bien, Skyward, tu lis dans mes pensées. Propre.
Bravo. Eh ben, c'est ton anniversaire le 13 octobre, et ben voilà. Est-ce que tu as 80 ans? Toi, tu m'avais caché ça, déjà. T'es ma mamie? Ah non, non, cadeau. Du coup, on offre un cadeau à ma mamie le 13 octobre. Je peux vous dire ce qu'elle aime. Hmm. 79. Non. Non, non, pas le crochet. Elle aime bien coudre. Mais plus des sous-vêtements. Voilà. C'est. Elle faisait ça avant. Donc voilà. C'est fou. C'est fou toutes les informations qu'on se partage. N'est autre que Skyward, et ouais. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Je te proposerai Skyward pour ton anniversaire. Une viennoiserie typique de la France. Une petite chocolatine juste pour toi. Et attention, je la fais. Enfin, j'achète un truc tout prêt là. Et je le mets dans le four. Non. Ah si, on s'en fout. Je crois qu'on s'en fout, ouais. Oh, on s'en fout. Ah non, non, Coco. On m'a dit, on n'a qu'une vie YOLO. Pourquoi on n'a qu'une vie YOLO? Ah d'accord, oui. C'est bon, j'ai compris, Nimélia. Oui. Je me rappelle que c'était... tu bois de l'huile. Alors, ce jeu est terminé, l'arc, regarde. Ne regarde même pas l'écran. T'as même pas besoin de regarder l'écran, l'arc. Tu regardes juste ces deux chiffres. Quand ça arrive à 99, c'est fini. Voilà. Un bon gros... Tu manges du beurre et du sucre. De l'huile, mais n'importe quoi. Non, mais bon, voilà, c'est pas grave, l'huile, c'est du gras, quoi. Un petit raffle... Bien écoute, attends, on a déjà eu un gratos. Mais écoute, la prochaine fois, on te fait gagner toi. J'ai offert un raffle à Saumon Flex. Hein, rappelez-vous, Saumon Flex a gagné un raffle il n'y a pas longtemps. Bien entendu. On a offert un raffle bien sûr à Coco. Coco à chaque fois elle gagne le raffle hein, grâce à Titou. N'oubliez pas. Donc bien entendu. J'en ai offert un Whispel. Il n'y a que Jishab en fait qui a pas le droit. Voilà. Il n'y a que Jishab. Le menteur. Ah, c'est peut-être. Quelqu'un a peut-être usurpé ton identité, Coco. Voilà. Sûrement quelqu'un qui t'a volé ta Switch. Bah, si, tu sais, Skyward. Grâce au fait. Que tu as beaucoup contribué à la chaîne, financièrement parlant. Je t'ai déjà offert un raffle, que pour toi. Et également à d'autres tauliers.
D'ailleurs, est-ce que Kunshiba il a eu son raffle gratos? Je crois que Kunshiba il a pas eu son raffle. Hein. Ah ouais? Bah, Kunshiba, t'as eu ton raffle? Ouais, mais c'est normal ça, Coco. Toi, t'as un vrai travail. J'aime pas les gens qui ont un vrai travail. Écoute, on recommencera bien sûr les. Et j'avais ragé. Oui, parce que normalement il devrait en avoir. Ah, c'est au chômage, t'es comme nous. Ah, tu es comme nous. Oui, mais tu sais, tu es comme nous, Coco, et bonsoir, Oniseb. Mais tu nous as quand même conspué. Moi, je me rappelle, hein. Ouais, c'est quand, Sapin, que t'as un vrai travail. Moi, je travaille. Moi, je... Écoute, nous verrons ce qu'il y a. Nous verrons. Moi, j'ai pas eu de Yoshi Rose. Ah ouais, moi, j'ai un Yoshi Rose, bien sûr. Salut, Abby. Des propos durs. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu de raffle gratos alors qu'il n'y a pas eu de rétroaction. Je pense qu'ils méritent une rétroaction. Ah bah ça, je comprends, l'arc. Je comprends. T'inquiète pas. Enfin, je comprends. Je suis pas à ta place, mais... Ah, merci. Bah, Miku, t'es dans ma famille. Ah, Papa Gaming, merci beaucoup. Si tu es dans le coin... plein de bisous, merci pour avoir renouvelé le sub. C'est très gentil. Bonne nuit, Skyward. Et merci encore. Et ne t'inquiète pas, à partir du 13 octobre, tous les jours, je te souhaite bon anniversaire. Tous les jours. Tu seras ma grand-mère préférée. J'espère que tu me donneras des Verters originales. Bien sûr, Mostrif, tu récupéreras ton Ridro, bien entendu. C'est honteux ce qu'on t'a fait ce jour-là. Honteux. T'aurais dû boycott le streamer. Tu sais quoi? Je pense que je vais te dire un truc. Ah putain, je crois que je vais prendre des risques. Je prends un risque. Dans la PlayStation classique là, la PlayStation classique, il y a Vagrant Story. Je fais Vagrant Story. Voilà, c'est dit. Je prends des risques. On sait jamais. Pourquoi il n'y serait pas? On sait jamais. On a dépassé les 350, oui, grâce à Jidan, grâce à Skyward. Grâce à tous les gens qui contribuent, même Thalatos, une loutre il a offert, Cluster aussi, j'en oublie plein, j'en suis sûr j'en oublie et je m'excuse. Mais grâce à plein de gens, on a dépassé. En fait, tu voulais des vertes, bien sûr. Ah non, mais Jichab, tes chocolats étaient très bons, sache-le. J'en ai un très bon souvenir de ce passage à la maison. Quand tu veux, tu reviens. Avec ou sans chocolat. El Santanas aussi, oui. C'est pour ça que j'allais en oublier, je m'en excuse. Mais nous, Kunshiba, là, ramenez-moi Kunshiba. À l'époque de la sortie, c'était la hype, ouais. C'est un jeu à passer un peu inaperçu, ok. À ce point, bah tu sais, le jeu de lapin là, je crois que c'est un des premiers jeux de la PlayStation, non? Tout le monde s'en tape, hein. Le jeu de lapin, tout le monde s'en fout, hein. Mais pourtant, il y est, hein.
Et Ridge Racer, en vrai, je dis pas que c'est nul, hein, Ridge Racer, hein, mais bon, c'est pas ouf, hein. Ouais, je crois qu'il y a un jeu de lapin là sur le truc PlayStation classique. Non, il y a pas un. Il y a Wild Arms, Tekken 3, Ridge Racer 4, FF7 et Jumping Flash. Ouais, bah je crois que c'est ça, Jumping Flash. Bien sûr. C'est Freshon. Bonjour. Oh, très stylé cette emote. Capanis. Allons voir ce streamer. Très stylé, hein. 20 sur 20. Non, comment tu le... Non, pourquoi je peux pas cliquer dessus, moi? Est-ce que tu peux me donner, Kappa, ouais. Est-ce que tu peux me donner le nom de ce streamer avec cette emote stylé. C'est connu, oui, bah, sûrement. Anis Treska. Ok. Faire les emotes qu'il a. Ça, c'est là. Où je regarde, hein, c'est... Alors... Waouh, mais il en a plein, en fait. Il en a plein. Ah, bon, après, je suis pas fan je suis pas trop fan des emotes texte, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Hein, puis bon, ceux que j'ai, en fait, c'est par rapport à... Ah, comment il s'appelle? Ah, Yakuza, bien entendu. Donc, c'est normal. Il n'existe que pour ça. Par contre, ah si, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Je suis super vénère. Pour un truc nul. Pour un truc tellement nul. Ça m'a so much vénère. Il y a une personne chez ici. Alors peut-être pas ici présente, mais il y a une personne qui fait partie de ce... qui fait partie des gens qui sub à la chaîne. Non, pas de stick. Non, c'est pas les DualShock, c'est les toutes premières. Voilà, qui fait partie des subs. Qui a dû mettre l'emote c'est pas clair chez Mister MV. Parce que Mister MV dit souvent c'est pas clair en ce moment. Aucun, pas de problème et tout. Et... du coup, il s'est dit que maintenant, apparemment, c'est pas clair. C'est aussi sa phrase. Alors, c'est des sbires, hein, qu'on dit ça. De toute façon, c'est pas lui, hein. Et que du coup, j'avais créé l'emote parce que pour grappiller des subs, quoi. Alors bon, c'est des relous, tu vois. C'est sûrement des relous. Mais putain. Oh, mais les sbires! Mais c'est même... C'est... Bref. Voilà. Ouais, non, mais on est IPP, hein. Mais c'est pas sa faute, c'est pas la faute d'MV, hein, bien entendu. Hein. Encore une fois, il a le droit de parler, hein. On n'en est pas là, mais... J'avais que ça à faire, ouais. C'est comme le Maïté, pourquoi? Qu'est-ce qui passe, Zaf? Ah non, mais change là, hein, c'est flou. Putain, j'avoue. Créer une emote MV sbire. Ouais, il devrait arrêter. Il devrait arrêter de streamer, ouais. Oui, après, t'as Nariel. Bon, ça, après, écoute. Je parle pas du streamer en lui-même. Surtout que moi, j'aime bien le regarder. Y a aucun problème là-dessus. Mais c'est plus bon, bah tu vois, les problèmes de communautarisme. Ah, re Konshiba. Bah Konshiba, tu tombes bien.
Bah comme MV. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait un truc sur Maïté. Oh putain, ça avait tellement dû le bordel. Maintenant, ça lui appartient, bah oui. Ah bah oui, t'as raison. Bah sa communauté, oui. Bah, je pense qu'on pourrait dire la communauté de Twitch, hein. En vrai. Enfin, la communauté de Twitch. C'est compliqué. Nous marchons sur des œufs. T'as gagné un raffle. C'est pour m'excuser, j'ai été odieux. Ah non, pas Oniseb, hein. Pas le raffle Oniseb. Hein. Mais oui, Konshiba, je disais que t'avais pas eu ton... Tu n'avais pas eu ton raffle gratuit. Et écoute... je trouverais ça normal de t'offrir un raffle gratuit. Mais tu sais, c'est pas une question de ne plus être responsable. C'est une question que maintenant on l'est indéfiniment. Bon, bien sûr, sauf si gros problème, tu seras sûrement déshérité. Voilà. Question de sincérité, exactement. Donc bon, bah voilà, tu as le droit d'avoir... tu as le droit de... Je pense en fait, c'est même pas une question de raffle, en fait, gratuit. Je pense qu'on va plutôt dire qu'au lieu de dire que c'est un raffle gratuit, on dit que t'as le droit de réserver un jeu. C'est comme si, en fait, Console Mania, ça devient une boutique de location de vidéos. Tu deviens mon joker. Voilà. Enfin, sauf si c'est un jeu de merde. Là, dans ce cas-là, je te banne et... non, si tu donnes un jeu de merde, je banne... on banne Oniseb. Voilà. Parce que t'as dit que tu méritais pas, tout ça. Enfin, bref. Des trucs horribles, quoi. Je le savais. À chaque fois, il me fait le coup. 93%, ouais. Donc voilà, Konshiba, prends ton temps, choisis. Il y en aura d'autres. Faut juste que je cherche. Mais il y en aura d'autres. Je crois que je dois être trop gentil en ce moment, du coup, profitez. Profitez de moi du temps que je redevienne quelqu'un qui est aigri. De pas être original, faut pas sub pour des emotes. Bien sûr, faut pas sub pour des emotes, bien entendu, Faustman, bien entendu. Enfin, pas que. Il doit sûrement avoir des gens qui doivent sub parce que bon bah oui, ils soutiennent et il doit avoir l'histoire des emotes, bien entendu. Parce que si tu subs à quelqu'un que tu apprécies, mais que... tu l'as déjà vu... Enfin, tu n'as pas de lien particulier avec lui. Tu regardes ses streams, c'est sympa. Et que les emotes t'intéressent pas. Ou pas trop. Bon. Voilà. Ça, c'est un plus. C'est un plus non négligeable. Même si je suis d'accord que le soutien financier devrait être mis en avant. Après bon, vous n'êtes pas mon pote, on n'a pas bu qu'un café ensemble. Donc l'appartenance, communautarisme, tout ça, tous les problèmes là, enfin tous les potentiels problèmes. C'est compliqué. Nous marchons sur des œufs. Ouais, voilà, exactement Wacky. Exactement. En plus, je voulais en parler, donc ça tombe bien, tu vois, vous avez un lien avec l'Eric ? Non, je crois pas. Pourtant, il y a beaucoup de Français qui savent à ces gens. Bah, après, 50 emotes, c'est tellement worth it, 50 emotes pour 5 balles, c'est quand même ultra worth it, quoi. Mais si, Whispel. Bah, tu sais, Whispel...
J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Mais tu sais, cette carte postale, j'y pense, hein. Bien sûr, bah Dark Bob, tu as raison. Bien entendu, bien entendu. Vous vous rendez compte? Je pense qu'on devrait faire, on devrait un peu se mettre en mode nostalgie. Vous vous rendez compte que dans pas longtemps, on n'entendra plus la musique de jeu? Je ne serai plus obligé d'y jouer? Vous vous rendez compte? Tu m'en prêtes tout sérieux. Ça va me manquer? Ouais, je pense, ouais. Change la musique du raffle. J'avoue. Bonjour, Neshuang. Enfin, bonjour, Neshuang. Bien sûr, bonjour. N'oublie pas, hein. Les 400 bits, tout ça. J'ai dit ton pseudo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une OPSP, c'est pour ça. Putain, je devrais faire un nom d'émission, d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait que j'ai des noms d'émission à chaque fois. Et je fais un nom d'émission, et quand on joue à un jeu récent, enfin, on joue à un jeu qui vient de sortir, le nom de l'émission, ça serait c'est une OPSP. Ça serait génial comme nom d'émission, quand même. On se fait un logo trop stylé et tout, et on appelle l'émission c'est une OPSP. Ah, la confusion. La confusion. C'est un peu clickbait. Il est vrai. Il est vrai, Konshiba, c'est un peu clickbait. 94. On est à 6% de la fin. Ouais, c'est une OPSP. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, José Lito. Peut-être là, c'est vraiment du clickbait. Mais je pense que peut-être que les constructeurs... Enfin, les constructeurs, les éditeurs ne seront peut-être pas contents. Est-ce que vous voulez que je vous... Est-ce que vous voulez que une place dans ma nouvelle émission, c'est une OPSP? Ah non, mais le boss de fin, mais... De toute façon, on part du principe que le boss du fin est une chiasse sans nom. Je vais perdre la boule. Non, je pense que le pire clickbait, Konshiba, c'est ce que pas mal de vidéastes font. Et c'est les mecs qui disent « On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. » Ta mère, voilà. Juste ça. Ouais, je suis un peu... Faut être un peu incisif parfois. Quand j'entends ça, j'ai envie de taper les gens. Ça m'énerve. Ça me rend ouf. Voilà. Mais bon, après, tu vas me dire, c'est pas comme si mes lives, il y avait 50 000 FAQ. Non, mais c'est vrai. Pika, tu as raison. Je me suis laissé emporter. Sale toucan, hirondelle. C'est quoi le nom d'oiseau, là, qui était drôle? Que ça faisait une bonne... que ça faisait un bon... une bonne insulte. Tu te calmes. Oh, c'est à qui ça? C'est... Bonsoir, Flav. Il n'y a pas de boss de foin. De foin. T'as peut-être vu la version PC Engine. L'Albatros, Condor des Andes, non. Waouh. Ah, le tu te calmes de maudit,
il est pas très clair. Et ça, c'est Little Big... Ah, c'est Little Big Whale. Ah, tu la connais d'où, Thanatos, tiens? Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Bonne question. Une Pi. Ah, c'est le fils de Pi. C'est le fils de Pi. C'est le fameux fils de Pi. Oui, du coup, Flav, hein. Merci, Bozobine. Merci énormément pour tes 1500 bits. Merci, mon cher ami. Tu nous offres un nouveau token que je mettrai à peu près 3 semaines, bien entendu, à changer. Merci beaucoup. Une hausse de Zul. D'accord. Ok, ok. Ah, il est pas mal la carotte, là. Elle est pas mal, quand même. Oui, c'est pas clair, copyright, Mr. MB. Non, non, mais le pauvre, le pauvre, le pauvre. Bien sûr, on va pas... on va pas le sur... comment on appelle ça, le... Le surplaindre. Oh, elles sont stylées. Putain, des gens, ils ont des emotes trop stylés, quand même. Elles sont vraiment cool, hein. Ah, j'avoue, elles sont vraiment cool. C'est elle qui les a fait? Te? C'est marrant parce que... Autant... Ah, il a eu ses subs, Snapped. Il a eu ses 9 subs, Bigito. Il a eu ses 9 subs, il les a eu. Eh bien, GG Bégéto, si tu es là. Et c'est quoi en fait, le chat, il vient d'où? Parce que je connais pas. C'est la mascotte de Falcom. Ok. Bon. Bon, ça va, il est cool. Vous reconnaissez bien que c'est un chat. C'est pas donné pour... C'est pas... Ça me fait pire. Ah, le Bongo 4. Ah bah, bien sûr, le Bongo 4, c'est la meilleure emote. Hein. Bien entendu, c'est la meilleure emote. Allez, on reload. Parce qu'il y avait plus de Knight. Bah non, mais Dark Bob, c'est problématique. Moi, je préfère l'emote Tuc. L'emote Tuc est plus stylé. Il me tue qui est plus stylé. Ah bah oui, ça, Jichab, ça bien entendu. C'est grâce à Nimelia. Mais il y a beaucoup de, streamers. Bah, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que plus le temps il avance, plus on avance, c'est-à-dire avec Twitch, plus les streamers font attention aux emotes qu'ils font. Avant, t'avais l'impression que tout le monde mettait une tête de lui et c'était parti, quoi. Bon, même s'il y en a d'autres, il y en a qui le font encore aujourd'hui. Et qui font attention, hein, j'imagine. Mais il y a pas mal de streamers qui essayent... Enfin, il y a des streamers plutôt qui essayent, et streameuses, qui essayent d'avoir une vraie identité avec leurs emotes. Et c'est cool. Et c'est cool. Tu n'as plus ton brisco. Pourquoi t'as plus ton brisco? Ah mais oui, t'as plus ton brisco parce que t'as pas rempli ton papier. Pseudoless. On en a marre. Bon, après, je sais pourquoi tu l'as pas fait. En vrai, ça sert à rien. Si c'est juste pour avoir deux emotes. En vrai, je comprends. Mais... Que Sapin ait pas dit encore, la meilleure emote, c'est l'emote Nimelio Céleste. Non, mais s'il vous plaît. Moi, je suis plus comme ça. Hein. J'ai arrêté avec Céleste. Hein. Bah après, Snapped, voilà, c'est... Parfois, c'est compliqué. D'ailleurs, oh, Pseudoless. Alors, peut-être que je vais passer pour un mec qui savait pas. Les sbires de Conchibait. Ouais. En vrai, moi, je peux rien y faire. Hein.
Je peux rien y faire. Hein. C'est Oniseb, hein, il a créé un monstre. De toute façon, j'en étais sûr. Hein. Depuis qu'il a pas eu son Vlad, il s'est devenu un peu... un démon. Oniseb, hein, tout ça, hein, voilà. Finalement. C'est dans le pseudo. Je regrette cette création de merde. Mais oui, je voulais dire un truc. Ça y est, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. Non. MDR, abonne-toi, c'est pas ça. Non. J'ai commencé ma phrase par quoi? Non. Ah oui, pseudo-less. Pseudo-less. Je me baladais sur YouTube. Et YouTube, il m'a proposé... Alors, j'avais jamais tapé, en fait, pseudo-critique. Mais YouTube m'a proposé des pseudo-critiques venant de ta... venant pas de ta chaîne. Alors du coup, au début, j'ai fait... au début, je me suis dit, waouh, putain, il y a un mec qui re-upload toutes tes vidéos. Je me suis dit, ah merde, le salaud. Mais comme j'ai vu que c'était des jeux que je connaissais pas, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un mec qui fait aussi des pseudo-critiques. Et j'ai vu que c'était toi. Et du coup, il y a plein de vidéos qu'apparemment t'as faites à un moment avec des gens, si j'ai bien compris. Et t'avais jamais rien dit? Ouais, j'augmente son pouvoir, ouais. Il y a deux pseudo-less. Nani? Ouais, c'est un peu Nani. Hein. Oui, oui. Alors après, je sais pas s'il a envie d'en parler, j'en sais rien. Là, j'ai vu ça, j'aurais peut-être dû me taire. Mais ça fait toujours plus... Oh, petite extra ball. Ça fait toujours plus de pseudo-less. Super Nani, ouais, on l'a déjà faite. J'ai coupé la tête à Pseudoless 2. Ah oui, c'est vrai, en plus tu te nommes Pseudoless 1, c'est vrai que... Il y a 756 épisodes de Red Barrel cachés sur YouTube. Faut trouver des petits barils sur les pages YouTube et si t'en trouves, si tu les trouves, tu as accès. Oh! José Lito, c'est fou, hein. Dans pas longtemps, il va prendre la place de Big Jim, hein. Autant la dernière fois avec le bait sur Céleste, il aurait mérité 3 mois de ban. Et j'aurais dû ban avec lui Konshiba et Oniseb, bien sûr. Autant là, il se rattrape. Il fait un peu son... Enfin, non, comment dire, il sait qu'il avait fait une mauvaise action. des raisons en vrai, parce que YouTube voulait pas juste de pseudo-less, mais aussi parce que c'est marqué sur le TFX que c'est le genre... Ah, d'accord. Ok. Faut que tu rajoutes un leader. Bah, hé, vous avez peut-être pas remarqué... Mais juste en dessous du lecteur, à gauche, vous savez qu'il y a un leaderboard de toutes les personnes qui offrent des subs. Voilà. Sachez-le. En fait, j'avais oublié que je l'avais mis en place. Voilà. Pardon. Mais j'avais oublié. Alors. Entre les subs et les blagues... Bon, moi. Je sais pas. Big Jim était en forme hier, ouais. Konshiba, c'est un peu ton mentor. Écoute, c'est pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, t'as le droit d'avoir le mentor que tu veux, José Ito. J'en suis sûr. Je sais, hein, de sources sûres, que Konshiba est une personne très gentille, très plutôt agréable. Hein. En tout cas, il m'a laissé une bonne impression. Mais bon,
Fais gaffe, on sait jamais. On sait jamais, ça peut être dangereux ces choses-là. C'est ça. Sincère, ouais. Non, j'ai essayé de pas mettre sincère. J'ai essayé de pas mettre sincère. Après, je dis ça, mais la première fois qu'il devait venir chez moi, il a Bagdash. Hein. Donc bon. Je veux dire, partant de là... non, il marche depuis que je l'ai mis. j'ai merdé, nuance. oui, bah oui. T'inquiète pas, je t'en veux pas. J'ai juste cru que... Que finalement, tu m'avais menti. Ah, il backdash souvent. Apparemment, il backdash plus trop, hein. Non, on m'a dit qu'il backdashait plus trop. Hein. Moi, je l'ai pris. Bon, avec d'autres personnes, mais néophyte, chez le Nintendo Online. Pour jouer à Mario Tennis. Voilà. Bien sûr, Coco. Tu seras la bienvenue. Par contre, je te préviens. C'est... Là, si je vois pas Yoshiro, si tu viens... là, pour moi, c'est une déclaration de guerre. une déclaration de guerre, t'amènes ton verre d'eau... Et tu laisses ton vrai travail chez toi. Ah, je peux comprendre. Quoi ça servirait de venir, quoi. Ah! Chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoique, avec deux billes, c'est pas grave. Bah, viens. Hein. Écoute, venez. Hein. Si vous voulez qu'on se voit. En vrai, je mords pas. Si vous passez à Lyon et que... Bon, d'accord. Ok, c'est mort. Si c'est pour ça. Eh oui. Merci, Subcogitate. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi, si tu es là. Si tu es pas là, bonjour à toi aussi. Ouais, vos bières, vos jus d'orange, ainsi que vos trop. Ah bah ça, Daft, toujours. Toujours. J'attends que... J'attends qu'il y ait... comment il s'appelle Debo. Ah, tu es là. Eh bien, bonjour, bonsoir à toi. Tu n'es pas un follow fantôme. Écoute, c'est beaucoup. Non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Débrouille stream maintenant. Ah bon. Je m'y attendais pas. Attends, non. Alors, le squattage chez moi une semaine, ça va être compliqué par contre. J'ai très peu de place quand même. c'est compliqué.
que c'est que ce mail? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où le message. Putain, il est con. Ah, il est bête, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai compris. J'ai compris, Pseudolas, ça y est. C'est quoi? J'ai vu ton tweet, mais je sais pas ce que c'était. Oui, j'ai vu un tweet par rapport à, au jeu. Non, non! Je de merde. Je dormirai dans la cuisine. Parfait! Est-ce que tu sais faire à manger? Putain, attends! Attends, c'est qui a dit ça? C'est Coco qui a dit ça. La première chose, ouais, on se voit et on boit. Ah oui, parce que si on se rend compte, on boit. Non mais arrêtez! C'est pas la seule chose à faire. Mais c'est quoi ces gens là? Et après tu te plains de ton, de ton voisinage. Non mais oh. Non mais d'accord, t'imagines, j'appelle un pote, je dis ouais tu viens à la maison et on boit, et je raccroche. Non, ça passe pas comme ça. C'est les Bretons, c'est normal. À quoi je le fais? Bah oui je sais que tu le fais, ouais. Ils sont pas comme nous, hein. Parce que les Bretons, là, toujours, ils sont en train de dire « Ouais, nous, on n'est pas on n'est pas comme les autres. Nanani, nanana. » Mais ils ont peut-être raison, hein. Ils sont peut-être pas comme les autres, hein. En plus, ils aiment pas le beurre doux. Allô, tu viens, on boit. C'est ça. Ah, ça dépend combien de jours. Mais bon, ma faible expérience. Ma faible expérience de personne à la maison, c'était pas simple. Mais en plus, on avait fait pire. Bien sûr. Ah là là. Ah, maintenant, Coco, elle pré... En fait, Coco, je sais, elle venait plus sur le live et elle s'est dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une soirée, je vais aller sur le live de Sapin et je vais chercher des Bretons pour préparer une soirée, quoi. En fait, c'est bon, elle est venue juste pour ça, ouais, d'accord, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Pour ça, c'est bizarre, c'est la première personne qui est arrivée sur le live. La première personne... elle a dit bonsoir et tout. Je me suis pas... Tiens, je me suis dit c'est pas grave. Tu vois, c'est cool, elle vient, ça fait plaisir. Finalement. Et puis, en fait, voilà, tout était calculé. Tout était calculé. Je vais aller sur son live et on boit. Toujours se méfier des Bretons, ouais. Bah, écoute, en plus, c'est marrant que tu dises ça, parce que dans mon passé vraiment très compliqué, on va dire, la première personne, en passé trouble, la première personne que j'ai connue et avec qui j'ai parlé bien et qui était, que j'ai connue par internet, était... une Bretonne et ça s'est mal passé. Ça s'est très très mal passé. Elle était un peu bizarre. C'est Oday. Non, je viens pas à la PGW. Je pense pas.
À moins qu'on m'invite, mais je n'y pense pas. J'ai pas trop d'intérêt à venir à la PGW en vrai. 95. Mon passé Twitch, non, c'était pas mon passé Twitch. J'étais encore journaliste. Ou maintenant il faut dire journalop. Voilà, maintenant il faut dire journalop. J'ai vu des gens qui se sont énervés ce matin. Vis-à-vis d'Eurogamer là. Ah bah oui, j'imagine, oui, t'es un peu loin. Hein. T'es un peu loin Skyward, j'imagine. Oui, il faut dire journalop. Parce que depuis que Eurogamer a commencé à dire que Sony copiait Nintendo, les gens se sont bien énervés. Je pense que c'était du bait. Là vraiment, tiens d'ailleurs, bah écoute, si tu cherches du bait, Konshiba, là t'as les masters. Ils masterisent à mort. Eux, là franchement, Eurogamer, je crois qu'ils ont oublié leur race. Hein. Ah, ceinture... ceinture... Ouais, j'avoue. Ceinture noire, ouais. Et Bac plus 10. Bah, parce que pour la PlayStation classique, là, je crois que le... Oui, bah, y a du temps. J'espère que à ce moment-là, Skyward, je serai dans un château. Qui sait. Je croise les doigts pour moi. Et ouais, ils ont fait un tweet en disant... comme à l'accoutumée, Sony copie Nintendo et sort la PlayStation classique. Voilà, je crois que c'était à peu près ça. Bon, faudrait regarder le tweet, mais. Merci Ned. Sans toi, je pense qu'on n'aurait vraiment pas compris. Merci. Est-ce que Ned fait partie du groupe des pires dans la famille Nintendo Je pense pas du coup, parce que je crois pas que ce dernier soit équipé. Mais je demande quand même, Konshiba. Oui. Bien sûr, Miku, c'est une très bonne idée ce que tu dis là. Bah, c'est une très bonne chose. Très bonne suggestion. Non! Genre, non, j'ai failli le finir! Ah! C'était quoi la question? Est-ce que Ned fait partie du groupe des pires? Sur le groupe Nintendo Online. Ouais, il est vraiment dur le Stachak. Et ouais, pour parler d'autre chose, au lieu d'histoire des bait et d'Eurogamer, parce qu'apparemment, Eurogamer ont l'air d'avoir un passé assez sulfureux avec le journalisme. C'est que la Mega Drive Mini, si j'ai bien compris, hein, la Mega Drive Mini que Sega alors avait commandé jusqu'à présent, si j'ai bien compris, ne serait, enfin AT Games, donc AT Games, hein, les, alors je sais pas cette boîte là fait quoi, s'ils font juste de la distribution ou alors du software, plus du hardware, je sais pas exactement, mais ne s'occupe plus des potentiels Mega Drive Mini. Et du coup, vu qu'on avait eu que des qualités, de la qualité de merde, vraiment que des Mega Drive Mini assez moyennes, dirons-nous. Alors, sachant que j'en ai même pas eu une, eh bien, Sega
semblerait-il, passerait... Alors je sais pas s'il s'occupe du hardware, mais je crois que c'est du software. Il s'arrête quand le jeu? Il s'arrête à 1 milliard. 1 milliard de points. 1 milliard de points. 1 milliard de points. J'en suis à 4... J'en suis à 955 millions. Voilà, T-Games c'était nul. 1 milliard de subs. Donc c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle en vrai. Parce que, bah mine de rien, ça veut dire qu'il y aura, pas, il y aura peut-être une Mega Drive Mini bah, de bonne facture. Un très bel objet. Un très bel objet, bien entendu. Ouais, bon, 100 balles, c'est cher, il est vrai. On va pas se mentir. C'est un beau objet. Oh, d'ailleurs, Moa, est-ce que tu es là, Moa? J'ai un truc à dire, c'est trop stylé. Putain, j'en ai même pas parlé, ça aussi. Peut-être que Moa n'est plus là. Je pense que Moa n'est plus là. Je vérifie avant, quand même. Ah. Non. Non, 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 non. On va prendre le... Consol Mini, c'est bien pour les étagères, c'est tout. Oui, bon, on va dire ouais, 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 ouais. Ouais, clairement oui. Oui, donc c'est pas grave, Moa n'est pas là. Hier, quand j'étais, j'avais vu ça. Il y a plein de gens de façon qui ont lié les deux et qui ont dit ah c'est marrant, PlayStation ils avaient dit que nanani. Enfin bref, voilà. Hier, quand j'étais au magasin d'arcade à Lyon, ils avaient la First Four Figure de Majora's Mask, donc le masque de Majora, qui coûte, je sais pas, 500 balles, je crois. 500 balles, 600 balles, 400, 500, 600, bref. Une figurine ultra lourde. Ah bah ouais, il arrive au bon moment, Moa, reviens. Il l'avait, et du coup, j'ai dit, ah putain, c'est la First Four Figure et tout. Et il me dit, ah ouais, ouais, c'est ça. Et il me dit, ouais, viens, mets-toi de l'autre côté, viens de l'autre côté de la caisse et regarde et tout. Et c'est trop stylé. C'est trop stylé. Elle est vraiment trop stylée. Et je sais pas si, Moa, je pense que c'est celle que tu as. C'est ouf. C'est ouf. Elle est magnifique. Bon, elle coûte super cher, même beaucoup trop cher. Mais elle fout la pression. Et en plus lui il avait pas celle avec les yeux qui s'allumaient. Mais elle fout tellement la pression. Bon, par contre ça faisait bizarre parce que les yeux étaient vachement bien faits. Et la texture du bois, elle était un peu... Enfin ça faisait bizarre entre texture du bois et les yeux. Différents plastiques utilisés. Quel tarif, je crois c'est 500, 600. C'est combien, Moa? Mais en plus, si, il y avait un truc trop stylé. Sur la... Donc, vous pouvez taper un First Four Figure. Majora's Mask sur Google. Et sur donc le masque, il est posé. Il est posé sur un petit présentoir. Et sur le présentoir, ils ont fait comme de la mousse, comme s'il y avait un peu de mousse. Et même la mousse, la fausse mousse en plastique sur le présentoir, on aurait dit de la vraie, quoi. Enfin, c'est... 480. Ah, c'est moins cher, alors. Bon, c'est moins cher. C'est quand même c'est quand même un truc à 400 balles. C'est ouf. Bref, voilà. J'ai eu la chance de la voir de mes propres yeux. J'ai pu même la toucher. J'ai pu même la peser. Donc voilà, je fais de la pub. Si vous êtes lyonnais et que vous passez vers Game Spirit, donc c'est pas loin des Cordeliers. C'est vers les quais. N'hésitez pas à aller à Game Spirit. C'est des gens cool. Puis ils ont des PSP à 29 euros. Voilà.
Ouais, pas cher, hein. Ils font des paiements en 12 mois, ouais, non mais je vais pas acheter des figurines. Déjà, limite que je me suis plaint limite de la version collector de Sonic Mania, là, qui m'avait coûté 80 balles, j'étais limite en train de me dire, ouais, c'est la seule collector au monde que j'achèterais, bref. Donc, bon. Si, je crois, il y a une chose que j'aimerais bien, mais ils le feront jamais, mais une petite... une petite figurine de Yakuza là, ça serait pas mal, hein. Genre une figurine assez grosse avec Kiryu et Majima. Ouais, une cagnotte pour avoir la... Ouais, bien sûr. Bah écoutez, hein, faites-la, hein, n'hésitez pas à faire un... Comment ça s'appelle là? Ah merde, comment s'appelle le truc des cagnottes? Bah attendez, il faut demander à Coco. Coco, elle doit connaître les trucs des cagnottes. Mince. Non, pas Tipeee. Litchi. Merci, Sadlel. Litchi, ouais. Bonsoir, Asblois. Oui, c'est un fruit, mais... Je suis à Endorite Celdel. Bon, il y a sûrement une Endorite de renard. 96%. Eh ouais. 96,2. Encore 3%. Imaginez, hein. Rappelez-vous quand on était au... Quand on était à 30, même pas 30%, et j'étais en train de me dire « Ah, on finira en novembre, ça va être long, mais il faudra le faire. » Rappelez-vous, hein, quand Nimelia me demandait de skip, pas que Nimelia soit méchante ou quoi que ce soit, mais... bah ouais, skip. Et maintenant, je veux un flipper à la maison, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, skip, putain. Je pense que ça serait le meilleur cadeau à faire à notre disparu. À notre grand disparu. Et on devrait skipper à 99. 99, je pense. Ouais. Ah, elle est stylée, quand même. Elle est stylée. Hein. Attends. C'est bizarre. J'étais presque sûr que... J'étais presque sûr qu'elle avait plus de piques. Celle que j'ai vue. Ah non. Ok. Non, non, bah non. Ah, elle fout tellement la pression. Je sais pas, c'était sûrement dans ma tête. Là, j'avoue, Mostrif. Une figurine pour... Ouais, non, mais... Bien sûr, ça serait trop cool. Mais bon, je suis assez réticent aux cagnottes pour un, comment on appelle ça, pour quelque chose qui n'est pas utile, dans le sens où c'est pas comme si comment dire, enfin, l'argent pourrait être mieux redistribué, voilà, on va dire ça.
Voilà, un petit iPhone. Bah d'ailleurs, hein, si vous connaissez pas Moa, je pense que tu dis ça par rapport à Locan. À une époque, je suivais son blog à Locan. Bah à une époque, ça fait longtemps. Mais je suivais. C'est vrai qu'il a, il a, il semblerait ne pas avoir de, pas de problème à demander. Bon, éthiquement parlant, ça se discute. Voilà. Mais comme j'aime bien dire, nous marchons sur des œufs. Nous marchons sur des œufs. Pas trop de débats, de débats houleux. On sait jamais. C'est un peu pour que disparus sur l'étagère se sentent moins seuls, ouais, j'avoue. Ah ouais. Mais attends, elle est toujours celle de Shovel Knight ou pas? Je me demande si elle y est. Parce que bon, elle est stylée quoi. Ah là là. Elle coûte pas si cher, hein. Elle coûte que 300$, hein. Elle est encore en pré-order. Ouais. Ah, elle a l'air d'être tellement cool. Bref. Non, arrêtez de regarder ça, là. Je vois pas pourquoi je regarde ça, là. Chut. C'est bon. À marcher sur des œufs, on finit par manger une omelette. Par ne plus manger d'omelette. Ah bon? Pourquoi? J'ai des bêtises. Bien sûr, les omelettes, c'est très bon. C'est 100% de moins. C'est 100$ de moins, ouais. C'est 100%, bien. C'est vrai que c'est 100$ de moins que Majora's Mask. Non, mais je demanderai ça à Celia pour Noël, bien sûr. Bah si, j'ai compris. Mais après, je suis un peu long à la détente, tu sais. Elle est encore en préco, ouais. Salut Saumon. Ça avance bien, tout avance bien. Mais qui n'a pas une force sur figure? Bah, tout le monde. Enfin non, il y a des forces sur figure abordables pour les pauvres. Tu en as une, Beyond? Est-ce que tu en as une? Ou alors c'était encore un message caché que je n'ai pas compris. Et que je pose une question de manière innocente et il va me dire que j'ai pas compris. Non. Il en a une que je veux en plus. Ah! C'est laquelle qu'il a? Ta télé vient de décéder? Quoi? Merde. Hop. C'est la première Samus Various Suit qu'ils ont sorti il y a longtemps. Ah d'accord, ok. Ah bah ouais, j'avoue. Pauvre Moa. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, Konshiba? Comment tu sais qu'elle est décédée? Ah oui, c'est le moment. C'est le moment. Oui.
sa mère, hein. Sarah Talpin, hein. Sa maman, totalement sa maman. On est passé à 98, j'ai pas vu. Ah, elle a dû entendre ma voix, bah... C'est pas grave. S'il a un problème, qu'elle hésite pas. Oh! Oh! ~99 Bon, là, on va sauvegarder souvent. On va sauvegarder souvent. 99, c'est potentiellement bientôt la fin de Dragon's Fury. La fin est proche. Appelez Yara. Non, s'il vous plaît, on se moque pas. Oula, oula, oula. Ah, bien sûr, encore une save. On save là tout le temps parce que ça va être important pour aller jusqu'au boss. Parce que je pense que si je vais au boss et que je meurs au boss, je pense pas que je revienne en fait. Le moment historique, hein. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs. C'est la première fois au monde que quelqu'un fait ça. Bien sûr. Voilà. Je pense que là, j'ai le bon. J'ai le meilleur mot de passe. Là. J'ai le meilleur mot de passe. Et là, tout bug. World Premiere. Console exclusive, je dirais même. Attends, j'arrive même pas à noter un mot de passe là. Je suis trop dans le stress. Console Mania exclusive. Merci. Merci Dradoom. Merci pour ton host. Plein de bisous à toi. Merci pour tes 19 viewers. Et ils arrivent pour un World Premiere. Attention, WR, c'est le moment. On va être déçus. Est-ce que je peux... Ah, je peux reprendre le mot de passe. Bon, attends, mais je reprends le mot de passe. On peut prendre des mots de passe à l'infini. Attention. La première fois qu'un humain... Voilà la fin du jeu. Le boss de fin. C'est le moment. Donc vous avez la vie du boss à droite. Il faut taper le boss. Voilà! Pendant 20 ans. Et si je perds la balle, je sais pas ce que ça fait, mais on va pas perdre la balle. Parce que... Ouais. Ouais, tu pourras dire à... Bah, tu pourras dire à tes enfants de jamais lancer le jeu. Oh! Attends, je peux perdre la balle? Attends, ou quand je l'ai perdu? Attends, t'es sérieux? Oh non, d'accord, tu perds une balle. Tu perds une bille. Oh non, il aurait fallu 50 milliards de billes. Oh, merde. Il aurait fallu plein de billes. Oh, il aurait fallu des billes. Oh, merde. Oh non. Oh, elle est rouge. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'elle a, ma bille? Voilà, je perds la boule. Oula! Oh, la musique est trop stylée. Oh, la musique est trop stylée, faut mettre la musique plus forte. Bon bah rendez-vous le 17 novembre. Ouais mais j'ai un password, vous inquiétez pas. Bon ça va, il est pas si difficile que ça là, regardez. En vrai. Enfin là je vais avoir instant karma mais En vrai ça va hein. De quoi vous entendez pas la musique? Mais si, si, si. Oh merde. Ah ouais, d'accord, il m'a... D'accord. T'imagines? Et là, tu recommences à zéro. C'est le jeu vidéo, c'est bien. Instant karma. Allez. Ouais, ils mettent le mot de passe direct! J'ai eu peur. J'ai un peu eu peur. Attention. Alors c'est pas une save hein. Enfin c'est pas une save state que je viens de faire hein. C'est normal hein. C'est quelque chose de tout à fait normal hein. C'est pas de la triche. Ah putain non mais elle tombe. T'as vu où elle tombe aussi? Nick. Merci. Merci Dradoom. Merci beaucoup pour ton Prime. Merci énormément pour ton 21e mois. Plein de bisous à toi, plein de pompons. Tu arrives pour le meilleur moment. Et tu mérites plein de pompons. D'ailleurs, il semblerait, et après avoir demandé que tu as trouvé un travail, eh bien, si cela est vrai, hein, bien entendu, félicitations. Bien sûr. Félicitations. Ah, ça va être... Oh mais c'est quoi ça? J'écoute... Voilà, hein. C'était quoi? Mais non. Mais... Il me l'a enlevé. C'est... Ça va être bien. Oh putain. Oh. T'es sérieux? Ok, ok. Mais c'est... En fait, le first try, le premier try était génial. J'ai osé dire que le jeu était gratuit. Et là, je me fais punir pendant 20 ans. Ah oh là là, mais c'est stylé par contre. Hein. Il a un peu une pose bizarre, le mob, mais... Oh! Donc Paul qui a dû refaire le boss 3000 fois pour avoir la bonne prise. Ah j'avoue. Il fait une jojo pose. Ah oui, oui c'est vrai. C'est vrai. J'avoue. Donc il y a une configuration où la balle, elle fait pas, elle fait toc et toc dans le trou. Et ils ont rien... Merci. Merci Rémi. Merci beaucoup pour ton Prime. Merci pour ton sub. Des bisous, bien entendu. Merci. Merci, merci. Plein de pompons. Mais.
J'en peux plus de ce jeu. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, mais c'est tellement pas possible. Je vous avais dit qu'il y avait une baise. Je vous avais dit qu'il y avait une baise. Culé, culé, culé. On a fait tout ça. On a fait 20 heures de jeu pour ça. 20 heures de jeu. 20 heures de jeu, une note verte. Une note verte. N'oubliez pas, une note verte. Putain, il lui reste tellement de vie encore. J'aimerais tellement trouver une baise nulle pour le tuer. Tu mériterais juste ça, sale jeu. Oula. On respire, on respire. Je perds la boule. Oula, 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 doucement. Ça c'était sûr. C'est fini. Meilleur écran de fin. Elle a eu sa boule. Merci. Merci, Saumon. Merci beaucoup. Oh, putain. Merci énormément pour ton sub. Merci pour ton prime. Attends, si je suis pas fou. Merde. Oh. Wow. Merci beaucoup. Attends. Oui, exactement. Et merci, bien entendu, Thanatos. D'avoir offert ce sub. C'est vraiment gentil de ta part. C'est vraiment gentil. Oui, alors bien sûr, j'ai envie de rentrer mon pseudo. Enfin, mon pseudo. Mon prénom. J'ai pas de best score, faut recommencer. Voilà. Merci
Minami. Merci Girasu d'avoir, eh bien, d'avoir renouvelé ton sub grâce au September. Plein de pompons à toi. Et c'est terminé. C'est terminé. Ah, je suis là, je ressens la satisfaction là. Je ressens le. Tu vois, je sens que j'ai fait quelque chose de bien. Merci. Merci beaucoup, Moa. Merci pour tes 400 bits. Plein de bisous à toi, même si je les mérite pas. C'est pas grave. C'est le jeu qui le mérite. Ou même c'est Yara qui mérite, bien sûr. Voilà, bien sûr. Plein de pompons. Regardez, on peut faire un truc. On peut faire un truc. Regardez, écoutez. Ça y est. Plus jamais. Ah, plus jamais. Plus jamais. Bon, alors. Plus jamais. Mais il faut quand même. Il faut quand même. Elle était vachement bien, la musique. Mais une musique qui dure 20 heures et qui boucle. Vous savez, bon, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Que j'ai du mal à accepter. Mais. On l'a fait. Je remercie d'ailleurs tout le monde, enfin toutes les personnes qui sont venues pendant pendant Dragon's Fury ou Devil Crash. Mine de rien, c'était vraiment 20 heures de rien. C'était 20 heures de discussion entre collègues. On va pas se mentir, il y avait rien d'intéressant. Mais pour la plupart, vous étiez là. Et c'est beau. C'est beau, putain. C'est beau. Alors, il est où mon Dragon's Fury, là? Dragon's Fury. Voilà, donc bien entendu, il aura la note rouge, hein, bien entendu. J'ai pensé à un moment à mettre orange. J'ai pensé à mettre orange à un moment, mais je me suis dit que je veux pas me mentir à moi-même. Je vais pas me mentir à moi-même parce que on a fait quand même 20 heures de rien. C'était un peu de la baise pour terminer le jeu, donc il mérite son rouge. Même si la musique est bien, les graphismes sont stylés, c'est un peu mince, comment on dit ? C'est un peu l'avertissement du conseil de classe. Voilà, si vous voulez. C'est un peu l'avertissement du conseil de classe. Et la sentence est irrévocable, tout ça, vous connaissez quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Ah, d'ailleurs, il n'avait pas marqué que c'était Yara qui avait choisi le jeu là. Pourquoi ? Dans Arcade, il n'y avait pas marqué. Peut-être dans la liste de jeux, il y avait marqué, mais pas dans Arcade. Dragon's Fury. Ah, c'était marqué dans les listes de jeux. Ok. C'est parce que j'avais pas Roundplay. Hop. Voilà. T'as pas fini toutes les zones bonus? Oui, bien entendu, j'ai pas fini toutes les zones bonus. Mais attendez, quoique. La seule zone bonus que j'ai pas fini, c'est la 5, je crois. Mais j'ai fini toutes les autres. Donc j'ai fait le 95%. C'est pas un mauvais jeu. C'est juste pour faire du scoring, pas pour terminer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et vous savez quoi? Pour fêter ça. Hein, pour fêter, bien entendu, pour fêter la fin de ce jeu, eh bien, je vous propose de vous offrir quelque chose. Ça me fait plaisir. C'est pour vous que je fais ça. On va faire 10-15 minutes. Non, on va pas faire de raffle. Allez. On va se faire un petit klax. Pendant 5-10 minutes. Pour vous faire plaisir ainsi que pour comprendre c'est quoi cette blague de Klax. Parce que personne n'a encore compris cette blague de Klax apparemment. Enfin, peut-être les anciens. Ils savent pas ce que c'est Klax. Donc pour vous, je vais vous montrer ce que c'est. Klax qui est sorti sur PC Engine aussi. PC Engine, pardon. Voilà. Voilà. Allez, vous allez voir. Je pense que pas besoin de parler. Jouer, c'est mieux.
Par contre, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Dans ta claque, ouais. Une petite claque. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de son dans le jeu. Ah, la musique était off. Dans les options, la musique était off. On va remettre la musique, bien sûr. Ah, bien sûr. Voilà. Widescreen. Bah, yes. Ah, c'est pour les gens peut-être qui voient mal. De toute façon, ce jeu, même si tu vois mal, c'est pas grave. T'es pas obligé de jouer. Hop. La musique. Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ça, Klax. Voilà. C'est un match 3. J'ai laissé en médium. Non, on va jouer 10 minutes. De toute façon, je crois pas que je vais jouer à ce jeu. C'est pour vous faire voir. Merde. Putain. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. J'espère que vous vous amusez, en tout cas. Moi, je m'amuse. J'avais oublié comment c'était aussi fun. Bah, c'est chill. Franchement, c'est chill, hein. Mais en fait, c'est juste que je trouve que dans les niveaux difficiles, le jeu, il est... Enfin, il est difficilement lisible. On était allé loin, hein. On était au niveau 20, je crois. Et je trouve que bah, ils ont créé un truc sympathique. Enfin, ils ont voulu faire un puzzle un peu novateur, innovant. Mais c'est pas parce que tu le places en 3 quarts et puis t'as les mêmes mêmes idées que n'importe quel match 3 que ouais. Tu sais, sapin, ça peut être sorti du flipper. C'est du masochisme sadique. De quoi? De quoi? J'ai pas compris. Ça devait cartonner au Japon. Je crois pas. Le tri des déchets. Bonsoir, Romain. Merci pour ton pour ta photo. Des bisous, Coco. Merci d'être passé. C'est très gentil. Passe une bonne soirée. En espérant que tu retrouves vite un vrai travail. Ça, c'est important. Lis mieux. Ah, tu sais, sapin, faire ça après être sorti du flipper, c'est du masochisme sadique. Merci, Agbado. Finalement, demander de mieux lire, parfois, ça marche, hein. Ça marche. Ça marche, merci. Ouais, il y avait une warp zone, ouais. C'est vrai qu'on pourrait prendre ça comme du masochisme, hein. Mais vous me le demandiez à chaque fois. Moi je fais. Vous me demandez un truc, je le fais. Hein. Ah, je suis là pour faire plaisir à ma commu. Bien sûr. Voilà. Et tu peux faire aussi du diagonal. Enfin, tu peux. Genre, tu peux les placer en diagonale, faire si j'y arrive. Bah faudrait mieux jouer en fait là. Attends, quoique. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va? Bien. Courage. Merci. Ah, lui là. Regarde, si je le pose, hop. On a une. On peut faire. On peut les poser en diagonale. Ah merde, tu peux pas faire ça, d'accord. C'est juste 3. Ouais, courage, ouais. Bah, vous savez, il y a des gens. Ils savent ce que je vis, tous les jours. Et ils comprennent. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors là, je pense avoir fait de la merde. Oui. Ah, bon, c'est pas grave. Hop. Tout va bien. Non. Voilà. Alors fais-moi plaisir et arrête. Oui, bah écoutez, ok. On a testé. J'ai fait ça juste un peu hein, pour que les gens soient heureux. Et que ça vous fasse plaisir.
que je joue à Clax pendant 10 minutes. Mais de toute manière, on a terminé Dragon's Fury, plus jamais. Là, je vais aller faire un petit tweet parfait en mode le nombre d'heures qu'on a passé sur Dragon's Fury, l'image de fin avec moi heureux, et je vais aller faire un petit tweet sympathique. Pas de raffle, non, pas de raffle, car en fait, on avait déjà fait un raffle, c'était devenu un jeu fil rouge, et on avait changé, et c'était Zblois qui avait gagné. Donc, c'est finalement Zblois, en fait, qui a gagné le raffle. Bah ouais. Je suis désolé, mais il n'y a pas eu, il n'y a pas de raffle en fait. Mais je vous ai compris. Je sais que ça vous touche. Et comme ça vous touche, pendant les 5 minutes de pub, je vous remets Dragon's Fury, la musique, pour la dernière fois. Profitez bien. Exactement, le style de Bordeaux, avec plaisir. Bref, je vous remercie d'avoir été là. À demain. Passez une bonne soirée. Vous avez été les premiers au monde à voir la fin de Dragon's Fury. Et j'ai pas skippé. J'aurais dû skipper. Au revoir. Au revoir.